Monsieur Safar, je vous donne la parole. Bien, nous venons de sortir. Pour tout vous dire, je n'avais pas l'information que les policiers qui étaient dehors étaient les policiers de la brigade départementale d'intervention. Je pensais que c'était la police municipale qui organisait le filtrage, comme vous l'aviez annoncé. Donc on n'est quand même pas dans quelque chose de tout à fait anodin. Il y a eu quelques bris de bois, puisque les vitres n'ont toujours pas été remplacées depuis un moment. Et visiblement, un policier municipal qui a été légèrement blessé. On me parle aussi d'au moins une interpellation. Donc nous sommes amenés à délibérer dans un contexte qui est quand même très particulier, qui n'est pas très agréable, on peut se le dire ici entre nous. Donc nous voulons une interruption de séance supplémentaire, monsieur le maire, parce que nous avons une réunion de 2 minutes que je vous demande pour prendre une décision. Et nous revenons dans 2 minutes. 2 minutes est accordée. Merci. Monsieur le maire, ce sera bref. Nous allons donc participer au vote sur cette délibération, étant donné les conditions dans lesquelles ce conseil se déroule. Nous quitterons le conseil ensuite, nous vous laisserons entre vous pour délibérer. Et nous le regrettons parce que nous pensons que tout ça aurait pu se passer autrement.